bonjour à tous. Oh, vous m'entendez super bien, c'est super. Peut-être que c'est moi qui m'entends très fort. Alors, bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conférence. Je me présente, je m'appelle Bruno, John Bruno de prénom d'artiste, nom d'artiste. Je suis photographe de portrait professionnel depuis 2020 en Ile-de-France, plus particulièrement dans le 92. Et je vais aujourd'hui vous parler du concept qui m'a fait naître dans la photographie et naître en tant qu'artiste. Mon concept qui s'appelle le portrait poétique. Je vais vous le présenter en plusieurs aspects. De quoi il s'agit? En quoi est-ce que c'est différent de ce qu'on connaît d'habitude dans la photographie? Et je vais vous montrer plusieurs aspects de comment est-ce qu'on le présente, comment est-ce que ça se concrétise véritablement. Alors, pour commencer, la photographie est ma deuxième vie. Avant ça, j'étais enseignant, j'étais professeur des écoles, instituteur, maître, comme vous voulez. J'ai fait ça jusqu'à l'âge avancé de mes 28 ans. Et merci l'Éducation nationale de fournir un service de qualité pour les jeunes enseignants qui veulent débuter. J'ai connu ce qu'on appelle un burn-out, puis une dépression comme beaucoup d'enseignants. Et pendant un long moment où je ne savais plus trop ce que j'allais faire de ma vie, je me suis posé la question de qu'est-ce qui allait me motiver? Qu'est-ce que j'allais pouvoir, cette fois-ci, trouver comme nouvelle idée, peut-être faire autre chose de ma vie? Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie. Parce qu'une fois qu'on est enseignant, on est enseignant, on a un master d'enseignement, on a un diplôme, on a une licence, on fait de l'enseignement. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et au détour d'une soirée, j'ai vu une photo et j'ai réalisé que je me suis dit que ce serait vraiment très bien que quelqu'un ait l'idée un jour de prendre des gens en photo pendant qu'ils rient, pendant qu'ils pleurent, pendant qu'ils s'expriment, pendant qu'ils racontent leur vie, des moments très forts, très intimes. Et j'ai visualisé de grands portraits en noir et blanc, quelque chose comme ça. Et finalement, je me suis dit, ouais, ça serait bien que quelqu'un fasse ça. Moi, à ce moment-là, je n'avais jamais touché à un appareil photo de ma vie. Là, on était en 2019. Bon, je me suis dit, tant mieux. Et je me suis dit, on pourrait peut-être aller encore plus loin. Si on veut vraiment raconter des histoires, raconter des émotions, je pense que la meilleure manière, ce serait d'aller un petit peu plus loin et de vraiment parler des gens. Et je me suis dit, ce qui serait mieux, ce serait d'écrire sur eux. Mais finalement, d'avoir à la fois des photos qui seraient prises sur un moment où justement, ce moment d'expression où les gens y parlent, et en même temps, de le traduire en texte, c'est-à-dire d'avoir des photos et un texte. Au début, j'ai pensé le portrait complet, mais ça faisait très pain complet, donc je me suis dit bof. Je me suis dit portrait poétique, l'idée qu'on écrive sur l'histoire des gens. Les gens vont nous raconter quelque chose, on va s'en servir en photo et on va s'en servir pour raconter leur histoire autrement. On peut aller au concept. Ok. Comment est née l'idée? On l'a passé, on peut aller au concept direct. Alors, concrètement, voici comment se passe un portrait poétique. Alors, je vous l'ai dit, je suis photographe de portrait. Donc, ce qui m'intéresse, c'est d'aller chercher les émotions des gens, chercher leur naturel. Concrètement, le portrait poétique, ça va être une séance que je vais mener, qui va être basée sur la discussion. Nous allons nous poser et on va discuter. Je vais profiter de ce moment où la personne discute pour essayer de capturer ces moments-là. Des moments de réflexion, des moments de recherche, des moments où la personne elle est vraiment en train de chercher ce qu'elle est en train de dire pour essayer de capter ces moments, ces bouilles, comme j'aime à les appeler. Moi, c'est vraiment ça qui va me motiver. Je fais durer cette discussion, je préfère appeler ça une discussion plutôt qu'une interview, pendant toute la durée du shooting. Et à la fin, le but étant que je me serve à la fois des photos qui sont prises sur le vif et à la fois je me sers de ce qui m'a été raconté. Pourquoi? Pour qu'à la fin, je suis capable de rendre un texte et en même temps de rendre des photos qui ont été prises sur le vif. Le but étant que le texte parle des photos, que les photos parlent du texte et que grâce à ça, les photos gagnent une sorte de deuxième vie, une sorte de deuxième lecture, de se dire une fois que maintenant que j'ai lu le texte, est-ce que les photos, je les vois différemment? Est-ce que maintenant que j'ai vu les photos, est-ce que le texte me parle un peu plus? Le fait de mettre un visage sur le texte. Voilà l'idée du portrait poétique. Alors, évidemment, on s'adresse à des gens qui se confient.
Donc si vous et moi, demain, on se pose et je vous pose des questions sur votre vie, le but n'est pas que dans le texte que je vais vous délivrer derrière, que je raconte tout ce qui vous est arrivé. Non, le but, c'est d'être capable de respecter votre confiance et de votre vie privée et justement de pouvoir écrire entre les lignes. Et c'est pour ça que la poésie et toutes les formes de prose en particulier, ça peut être un essai, un discours, une chanson, un conte, peu importe, je ne sais pas trop ce que ça va donner à l'avance. Le but étant que ça écrive entre les lignes, ça soit écrit entre les lignes et qu'à la fin, il n'y ait que vous et moi qui sachions précisément ce qui a été raconté. Mais que finalement, les photos, elles semblent très réelles, cruellement réelles et en même temps mélangées à un texte qui parle de vous, concrètement qui parle de vous. Alors, le but aujourd'hui, ce n'est pas simplement de m'écouter, moi et ma super casquette. Le but, c'est surtout de vous faire expérimenter ce concept-là. Alors évidemment, je n'ai pas mon appareil photo. Évidemment, on est déjà un peu beaucoup trop de monde à me regarder. Bonjour. Donc du coup, je vais avoir du mal à faire une conversation intime avec tout le monde en même temps, je ne vous le cache pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter l'histoire autour du portrait poétique. Un des portraits poétiques qui m'a le plus marqué, c'est le portrait poétique de Cerise Vodka. Est-ce qu'on peut passer à la slide de Cerise Vodka ? Elle arrive, je la sens qu'elle arrive. Très bien, parfait. Cerise Vodka est une modèle que peut-être certains connaissent, je ne sais pas. Que moi, quand j'ai commencé, Cerise Vodka, c'était waouh, Cerise Vodka, quoi. C'était une modèle qui était incroyable. Je ne connaissais même pas la photo que je connaissais Cerise Vodka. Et un jour, elle a travaillé pour moi, lors d'une formation, elle est venue m'accompagner. Et du coup, on a travaillé ensemble. Mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose en elle, il y avait quelque chose à, pas à creuser, mais quelque chose peut-être à... Je sentais qu'elle avait, il y avait quelque chose, elle avait quelque chose à dire, mais je sentais qu'il y avait une sensibilité en elle que je n'arrivais pas vraiment à décrypter. Alors, je lui ai proposé de faire un portrait poétique avec moi, et du coup, on l'a fait ensemble. Alors, on va passer à la première slide. Photo. On était presque, on y arrivait, je l'ai vue, elle est passée. Ça va arriver, j'ai confiance. Alors, du coup, je vais vous expliquer, on va essayer d'expérimenter le phénomène du portrait poétique. Comme je le rappelle, un texte, des photos, et finalement une rencontre de ces deux arts différents, voilà, merci, de ces deux arts différents, pour finalement essayer de faire une œuvre un peu hybride, pour qu'on puisse... faire se rencontrer à la fois l'histoire de la personne et à la fois les émotions qui ont été prises sur le vif. Je vais vous montrer, là derrière, des photos qui ont été prises sur le vif pendant la séance photo. Je vais vous demander, déjà, de bien les observer et de me dire, selon vous, quelles sont... Alors, désolé pour ceux qui sont sur les côtés, qui ne voient rien du tout. Je vais essayer de vous demander quelles sont les émotions qui, selon vous, transparaissent le plus. Quelle est finalement la force des émotions qui est derrière? Qu'est-ce qu'elle ressent? Essayez de vous poser cette question. On peut passer à la slide suivante. Voilà. C'est un moment très important du shooting. On peut passer à la slide suivante. Et on peut faire pause ici. Alors, est-ce que quelqu'un... dans la salle, saurait me dire une émotion qui a surgi plus que les autres. Oh, je vais devoir interroger des gens. Rappelez-vous, j'étais prof avant. Hein. Donc ceux qui disent rien, je les interroge direct. Oui. Le questionnement, c'est ça? Ok. Quelqu'un d'autre? La libération, ça c'est super intéressant. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Dites-moi. La mélancolie, intéressant. Il allait dire la mélancolie, voilà, bah, désolé. Quelqu'un d'autre? L'amour intérieur, et monsieur derrière? Et la tristesse, vous avez vu? On a plein de choses assez complexes. Hein, l'amour intérieur, ça ne s'écrit pas comme ça. Hein. Donc c'est intéressant qu'on arrive à déceler des émotions qui soient assez fortes. Déjà, je ne vous cache pas, je suis un peu content. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que je vous ai dit que tout à l'heure, le portrait poétique, je pouvais le rendre à la fois un texte, à la fois des photos.
Mais il existe d'autres manières de le présenter, quand le produit fini, disons. Il existe sous forme de vidéo, où finalement le modèle va parler, va narrer son texte directement sur une vidéo qui a été créée pour l'occasion. On va faire aussi des petits montages photos, on va coller le texte directement sur la photo. Il faut qu'on imagine qu'un bout du texte final sera collé sur la photo. Donc ce qu'on va faire là, une fois qu'on a vu quelques photos, nous allons écouter le texte. Et une fois qu'on a écouté le texte, je vais vous reposer la même question pour voir si, à ce moment-là, votre perception, soit elle a changé, soit éventuellement elle s'est affinée. On peut passer à la vidéo suivante, enfin la vidéo qui est après. Lisez bien, concentrez-vous sur le texte. Je ne suis qu'un petit enfant d'Europe, torturé et endolori comme l'artiste enfant. Exprimant passion et émotion, cherchant la voix. Sans compromis, sur les choses, rester sincère. Cicatrice étalée, certaines de découvrir. Quand avec les forces faibles, arrive le pire de tout, il vient tout déchirer. Afin que le cœur et l'esprit, rien n'est plus loin. Aucun cœur, avant la vie, tu es la place. Montre un cri et qu'un cœur est écouté. Puisses-tu être comme le monde? On laisse finir et après il y a un slide sur les photos, il y a un montage de texte. On s'arrête sur le montage qui sera après avec fond noir. Super, on peut faire pause là. Ok, vous m'entendez bien là? Oui, c'est bon. Je dis oui, c'est bon, comme si vous m'avez dit oui tous ensemble. Alors, je vais cette fois-ci reposer la question. Maintenant que vous avez entendu le texte que j'ai écrit pour elle, à travers l'histoire qu'elle m'a racontée, est-ce que ça vous a fait changer la perception des photos, les premières émotions des photos, ou est-ce que ça vous l'a affiné? Est-ce que vous avez d'autres émotions peut-être à rajouter, peut-être à dire? La résilience, très bien, très bien, très bien. Oui. La reconstruction, ok, on est sur des choses beaucoup plus précises, j'ai envie de dire. Quoi d'autre? La mélancolie qui revient, c'est intéressant. Ok, quelqu'un d'autre? Allez, j'ai encore envie là. La guérison, très bien, très bien. Bon, alors vous avez tous raison, parce que l'important c'est que ce que ce que ça a évoqué en vous, voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais vous raconter l'histoire de ce shooting, et je vais vous raconter l'histoire de Cerise. Comme je vous ai dit, le but, quand on écrit un texte du portrait poétique, le but n'est pas de dévoiler l'histoire. Aujourd'hui, je peux dévoiler son histoire parce que j'ai eu son accord, etc., pour en parler. Mais si vous et moi, demain, on fait un portrait poétique, vous pouvez être sûr que l'histoire ne sera pas révélée. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ok. Alors, j'ai donc fait un portrait poétique avec Cerise. On s'est retrouvés chez elle à discuter de sa vie, où on a...
si vous voulez, pendant le portrait poétique, je vais poser des questions. L'intérêt, c'est que j'aille interpeller la personne, que je lui pose des questions sur ses goûts, sur ses frères et sœurs. Je pose plein de questions sur les tatouages, parce que les gens ont souvent plein de choses à dire sur les tatouages. Et Cerise, en l'occurrence, des tatouages, elle en a beaucoup. Je pose des questions sur sa famille, sur ses goûts, sur qu'est-ce qu'elle aime dans la vie. Et finalement, les gens, au fur et à mesure du dialogue, il y en a certains qui vont beaucoup s'exprimer, il y en a certains qui vont parler de leur vie de manière très franche, et d'autres qui vont être au contraire beaucoup dans la retenue, beaucoup dans les non-dits, etc. Bon, je fais la discussion, mais je sens qu'il y a toujours un truc qui revient. Une fois, deux fois, trois fois, elle m'évoque le fait qu'il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Avant, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si je veux prouver la confiance auprès de mes clients, de mes modèles, je ne vais pas dire, tiens, vas-y, raconte-moi un truc très, très dur de ta vie. Vas-y, s'il te plaît, raconte-moi un truc qui t'a marqué, etc., etc. Le but n'étant pas d'aller tirer les émotions, le but n'est pas d'être voyeuriste. Si les gens ont envie de me parler, ils me parlent. Mais il est hors de question que j'aille faire justement du sensationnalisme et d'aller... Voilà, si la personne a envie de me parler, elle me parle. Bref. Donc, elle m'a dit qu'il restait un truc qu'elle ne voulait pas évoquer. Je n'ai pas insisté dessus. L'interview se passe bien. Ah, j'arrête pas de perdre mon truc. Je vais y arriver. J'ai un renfort, je le sens arriver. Il court. Bravo. C'est moi, je l'ai enlevé tout à l'heure, c'est ma faute. Je ne bouge pas, promis. Ah, là, je vais le manger. C'est un autre problème. Voilà. C'est bon, c'est parfait. Oh là là, il n'a jamais été aussi bien mis de ma vie. C'est la première fois que j'en mets un, donc voilà. Donc, il y a eu toujours ce petit truc. Il restait quelque chose. Donc, la discussion se passe bien. Et puis, vous savez, j'essaye d'impliquer au maximum les modèles dans le process du portrait poétique. C'est une séance qui dure 2 heures, 3 heures, des fois 4 heures, parce qu'il est important de mettre en place une bonne base de confiance. Et donc, je laisse les gens prendre leur temps pour parler, etc. Il est hors de question, comme je l'ai dit, d'aller tirer les larmes, d'aller faire du sensationnalisme. Donc, je prends le temps. Pour que les gens s'impliquent, je demande 2 choses au modèle, lors des portraits poétiques. Je demande aux gens de me ramener un objet. Et je demande aux gens de me choisir une musique. Bon, pour que les gens ils pensent à l'avance, de se dire, tiens, ok, je vais parler de ça. On est déjà dans une démarche de, je suis un modèle, mais je ne viens pas seulement faire des photos, être beau, être stylé. Non, je suis déjà dans une démarche de, je viens m'impliquer personnellement, je viens faire cette démarche humaniste, de montrer des émotions, de parler des émotions, d'être dans le lâcher-prise. Et je lui demande de me ramener des objets. Elle m'en ramène 2. Pendant toute la discussion, on a eu beaucoup de discussions au sujet de son père. Son père étant un modèle, un exemple, quelqu'un qui est très versé dans tous les rites asiatiques du Népal, voilà, quelque chose ça lui tient au cœur, et voilà, elle a beaucoup d'exemples pour son père. Voilà, elle m'en parle sans m'en dire plus. Je lui demande un objet, un premier objet, elle me ramène un médaillon. Elle me dit, ben voilà, ça c'est à mon père, je l'ai tout le temps avec moi. Il est tout le temps avec moi, voilà, ça me porte chance. Je dis ok, super, voilà, moi je prends des photos à ce moment-là. Il y a des moments où la personne est en train de chercher, elle est en train de sourire, c'est beau, c'est intéressant. Et puis, elle me ramène son deuxième objet. Et elle me dit, ben, tiens, voilà, ça c'est les cendres de mon père. Et à ce moment-là, vous doutez bien que moi je ne savais pas. Et finalement, le portrait poétique, cette fois-ci, il prend une toute autre ampleur. Parce que du coup, ça devient beaucoup plus lourd d'un seul coup. Jusque-là, c'était assez léger, assez pudique. Et à ce moment-là, elle a complètement réussi à lâcher prise. Merci. Elle a complètement réussi à lâcher prise. Et finalement, le portrait poétique... Ah, y a des musiques partout aujourd'hui, c'est impossible. Ça y est, j'ai perdu ce que je disais, le portrait poétique, on faisait... Ok. À la fin de la séance, finalement, elle a du mal à retenir ses larmes. C'est des moments qui sont très difficiles. Donc elle me parle cette fois-ci beaucoup de son père, c'est beaucoup plus difficile. Et elle me demande, sur cette photo-là, ou cette photo-là, au moment où je lui demande de choisir sa musique, de me parler de la musique qu'elle a choisie, elle me dit,
Moi, à ce moment-là, j'avais fini les photos. J'étais plus sûr. Bon, je finis mon enregistrement, j'arrête de prendre des photos parce qu'elle m'a déjà donné tellement que c'est fou. J'ai dit à plein de choses. Elle me dit, par contre, garde ton appareil photo parce que. Je lui dis, bah, pourquoi ? Elle me dit, parce que quand je vais écouter cette musique, je vais pleurer et je veux que ces photos, elles existent. Je lui dis, OK. Et à ce moment-là, il y a un grand moment de retenue, grand moment d'émotion, où elle écoute cette musique et elle me raconte finalement pourquoi elle a choisi cette musique. Elle me parle du fait que c'est une musique qu'elle associait beaucoup à son père. Et dans des sanglots mélangés à des rires, elle m'évoque le fait qu'elle ne sera jamais accompagnée à l'hôtel par son père, mais qu'elle s'en fout. Elle s'en fout d'être accompagnée à l'hôtel, mais pourtant elle ne pourra pas. Vous voyez, c'est une histoire qui est très lourde, mais en même temps, j'y revois l'idée de résilience, comme on a dit aussi tout à l'heure. L'idée que finalement, il y a du beau dans la tristesse. C'est un moment qui est très difficile, même pour moi, c'est probablement le moment où ça a été le plus dur pour moi de faire des photos de toute ma vie, parce que c'est le premier moment où je ne pouvais pas me planquer, parce que c'était vraiment émouvant. Et là, j'étais vraiment comme ça, je n'avais pas un œil pour me planquer ni rien, c'était vraiment... c'était chaud. Et bref, on finit le portrait poétique, et à ce moment-là, il m'arrive le temps de l'écriture. Qu'est-ce que j'écris sur quelque chose comme ça ? Et c'est à ce moment-là que, du coup, on va commencer à faire des liens avec le texte qui a été dit. À un moment donné, elle dit, par exemple... Elle dit « Sous le menton, tu me relèves. » Sous le menton, tu me relèves. Concrètement, elle avait un tatouage ici. Et c'est son père, quand elle était petite, qui lui faisait toujours comme ça, de ne pas se laisser abattre, de ne pas se laisser faire. Hop, sous le menton, tu me relèves. Vous voyez, là, c'est un exemple de « Je raconte quelque chose qu'il n'y a que elle qui peut savoir. » C'est pas moi. Si elle ne me l'avait pas dit avant, et si vous l'écoutez aujourd'hui sans même savoir, vous ne pouvez pas savoir. Pokhara, le nom du portrait poétique, c'est l'endroit où les cendres ont été dispersées. C'est un endroit au Népal. Puisses-tu t'envoler au loin ? C'est l'idée que voilà, les cendres ont été dispersées. Me faire un signe. Se reconstruire brique par brique. C'est l'idée qu'elle a aussi hérité d'une maison grâce à son père. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voyez, le portrait poétique, c'est raconter une histoire. C'est la confronter avec des photos. Offrir aux photos une lecture supplémentaire. Offrir aux photos un peu plus d'âme, finalement, un peu plus d'humanité, pardon, pour que finalement, on aille plus loin que la photographie. Le portrait poétique, c'est ça. On va plus loin que la photographie. Simplement de se dire, oui, c'est bien, j'ai des émotions. Certes, moi, je vis pour faire des émotions en photo, voilà. Mais avec le portrait poétique, forcément, on va plus loin, parce que forcément, on raconte l'histoire de la personne et on le mélange à des photos. Donc là, ce que vous avez comme exemple derrière, c'est un des autres exemples qu'il y a pour présenter le travail. En tout cas, c'est comme ça que je les poste sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup plus simple. Niveau timing, je suis bon, je ne sais pas. OK. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante ? Je ne sais plus où j'en suis. Très bien, pause. Alors, cette fois-ci, je vais vous parler d'un autre portrait poétique. Et cette fois-ci, derrière, là, cette fois-ci, pour vous faire expérimenter encore plus différemment le concept, les photos... 5 minutes. Les photos vont défiler derrière et je vais lire le texte par-dessus. Et après, on discutera de qu'est-ce que vous avez ressenti. Nous parlons de l'histoire d'Alexandra. C'est ce que je l'appelle Bergamote, c'est son pseudo. Donc c'est Bergamote pour moi, mais maintenant c'est Alexandra. Je vais vous lire son texte et on peut faire défiler les photos maintenant. Là, c'est une vidéo qui tourne logiquement, tu peux laisser y aller. Voici donc Alexandra Bergamote. Portrait poétique de l'été 2022, où je lui ai fait tout ce qu'on a dit. Voici le texte que j'ai écrit et que j'ai apposé sur ces photos. L'autre jour, dans le miroir, j'ai vu un cheveu blanc et j'ai souri. Chaque jour qui passe me rend forte d'expérience et de vie. J'ai tant d'amour à donner, un trésor à distribuer. Alors je porte ma cape, j'enfile mon mantra de super-héroïne, fonce distribuer les virus de gentillesse et d'empathie. Puissent-ils se répandre et se diffuser ? Allez, soyons contagieux. C'est mon fardeau et c'est ma chance, je suis là pour eux. Pour toi, pour lui et pour les autres aussi. Être un support, un tuteur et une amie, une oreille attentive. Vous savez, je suis née cadette, mais je m'improvise l'aînée.
capitaine à la barre, en route pour la liberté. Dans tous les cas, soyons clairs, pas de place au doute. Je veux d'un monde qui s'exprime et qui vit, quoi qu'il en coûte. Quant à moi, si vous me cherchez, ne m'attendez pas. Je suis sûrement en vadrouille, loin de chez moi, dans un studio ou sur un quai, clope au bec et l'air mutin. Et au soir de la nuit, il me reste juste un peu de lumière. C'est ma modeste contribution pour un monde qui devrait briller comme un diamant, ne refléter que gentillesse et bonté. Dites-moi, quels sont, quand on mélange finalement ce que je vous ai raconté, le texte, sans tomber, le texte que je vous ai raconté qui a été écrit pour elle, et les photos qui ont diffusé derrière, quelles sont les émotions qui ressortent ? Liberté. Là. Fierté. Ok, liberté, fierté. Le don de soi. Très bien. Ok, quoi d'autre ? La rage de vivre. C'est super intéressant. Vous avez vu, c'est des émotions qui sont assez fortes. Hein. Voilà une nouvelle manière de présenter le portrait poétique. Pour conclure, de toute façon, ça va conclure. Hop. Je conclue là ? Ok. Pour conclure, le portrait poétique, pour finir sur cette présentation, c'est donc la rencontre d'un humain avec des photos, le raconter en prose, peu importe comment ça va, de quoi il va accoucher, on ne sait pas trop ce que ça va donner, et confronter finalement le regard du spectateur, des émotions aux photos, finalement leur donner plus de vie, plus d'âme. J'ai fini par en écrire un livre qui s'appelle, haha, spoiler, Le portrait poétique, que j'ai pensé comme un roman photo où chaque chapitre est une rencontre pour que vous aussi, vous puissiez expérimenter à la fois les photos et le texte. Vous trouverez d'ailleurs l'histoire de Cerise Vodka qui était dedans. Et je suis en train d'en écrire un autre où dedans, il y a celui d'Alexandra. C'est parfait. Bref, il me reste à vous remercier pour votre écoute et à votre présence, à tous et à toutes qui étaient là. Si il y a des questions, si vous voulez qu'on discute un petit peu après, venez me voir, il n'y aura pas de souci, je ne mords pas, sauf les jeudis matin, mais ça va. Merci à tous et puis bah, bon salon à vous tous. Merci. We'll be right back.